Mes amis, bonjour. Je vous présente ce livre donc, qui évoque le combat de boxe The Rumble in the Jungle de Mohamed Ali contre George Foreman, le tenant du titre. C'était le 30 octobre 1974 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, je suis actuellement au salon de la photographie Porte de la Villette. Alors, voilà, c'est des photographies de l'agence Abbas, scénario Jean-David Morvan, dessin Raphaël Ortiz, couleur Hiroyuki Oshima. Voilà, donc en BD, l'histoire de ce fabuleux match de boxe qui a fait date dans l'histoire de la boxe, les faits. Mohamed Ali a perdu son titre il y a déjà quelques années. Il accepte l'invitation, l'organisation du combat par Don King et le voilà embarqué donc, en RDC pour ce fameux combat avec des photos, etc. Ali Bomaye, hein, donc Ali Tuleux, comme vous le savez, ce fameux cri que la population avait à son égard. Voilà. Donc, fantastique livre avec des images d'illustration. Mohamed Ali, Kinshasa, 1974. Je vais vous montrer quelques photos. Voilà, on voit ce fameux coup. C'était au huitième round, d'ailleurs qu'il avait prévu, hein, d'ailleurs, voilà, pour ceux qui se rappellent de cette histoire, il avait dit que je le battrais au huitième round et c'est ce qui s'est passé en fait. Et c'est vrai qu'il y a toute une aura autour de Mohamed Ali qui dit que cet homme n'était pas simplement un boxeur, il était également, c'était quelqu'un d'extrêmement, même s'il n'en avait pas l'air, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, etc. Voilà. On a de très très belles photos. On a ici sous l'angle, voilà, vers le bas, une photo vers le bas. Voilà, 30 octobre 1974. Voilà, Mohamed Ali, George Foreman, Kinshasa. Avec les éditions Air Libre, Magnum Photo. Voilà, l'agence Abbas. À très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.